in the news we followed the war. I can recall they, as they came approaching in Paris. Remember General de Gaulle. France has lost a battle. It has not lost the war. Well, I don't think we knew a whole lot about the war. I had read in high school Mein Kampf, Hitler's book, and I understood what a horrible prospect that was for the world if it continued until Pearl Harbor. I don't think we really thought too much about war. We were rather disturbed because we knew what the Germans were doing and how they were taking over the lowlands, and they were carrying out a terror campaign. And we were very much aware that the Jewish people were being very, well, very badly treated. They were the enemy, and we were being bombed. And we were fearful. And it's only the English Channel, La Manche, that kept us apart from the Germans on land. And we were very fearful that if they came here, that our whole life would change. But we knew we had to do it. If we wanted peace, we knew that we had to go to war. We were training all the time, constantly, until we moved to Europe. There was a series of training films called Why We Fight that were given periodically all summer long in 1943 when we were at camp. They explained the situation in Europe, explained the horrible characteristics of the Nazis in Europe, explained the what had happened in the occupation of France and so on. I think that's what you might mean by psychological training. On m'a envoyé à le camp Ritchie. Ritchie, c'est dans le Maryland, pas loin de New York. C'est un camp de military intelligence, service des renseignements militaires. Et là, c'est un tout petit camp, le seul camp du service des renseignements en Amérique à l'époque. Alors à Camp Ritchie, il y avait trois classes différentes. La plus importante, c'était des Allemands, des Américains allemands, qui étaient destinés à interroger les prisonniers de guerre allemands. La deuxième catégorie, c'était les photographes qui étudiaient les photos des avions de reconnaissance alliés ramenés des côtes de France pour voir comment elles étaient fortifiées, s'il y avait des mouvements de troupes ou des concentrations de camions ou de tanks. Et la troisième, celle qui n'était pas très importante, c'était des Américains, comme moi, qui étaient censés interroger les civils français quand ils libéreront un village. In England, in early May, I, with a company of soldiers, was sent to a secure camp where part of our duties were to make models of what we thought were landing beaches, but they were in such pieces that we couldn't tell one piece from another, and we were totally isolated from our friends who were doing something similar in another place. So we had no idea what these models were going to be. We assumed when they were put together, they showed the beaches, particularly in my case, Utah Beach. 15 décembre 43, je prends le Queen Elizabeth, et on arrive quelques jours plus tard en Angleterre, au Pays de Galles, dans un petit village, un petit port, Tenby. Où on s'entraîne, on s'est entraîné pendant 6 mois. Jamais j'aurais cru que ça durait aussi longtemps. On ne savait plus au bout de 6 mois quoi faire, parce que tous les jours, au bout de 3 mois, on nous a dit le débarquement c'est pour demain, le débarquement c'est pour demain. Et jamais c'était pour demain. C'est là que j'ai commencé à faire des, j'ose pas appeler ça, des conférences, des causeries à des soldats américains, en anglais évidemment, c'était un ordre. Ils étaient dans un champ, assis par terre. Je devais répondre à leurs questions et leur dire si nous débarquions en France, à quoi ils allaient s'attendre en débarquant.
les questions qu'on me posait, naturellement, c'est où est-ce qu'on va débarquer? Alors je leur disais, je n'en sais rien, mais il est très plausible que ça soit dans la région de Calais. Ça coïncidait avec ce que Hitler racontait. Je disais aussi à ces GIs, n'oubliez pas que le Texas est plus grand que la France entière. Alors ça, ils étaient déjà étonnés, mais on va conquérir ça en vitesse. Et je leur disais aussi à ces GIs, vous allez être reçus comme des libérateurs, vous verrez, vous serez très bien reçus. L'entraînement était très dur. D'une part, il fallait faire les 7000 qui représentent les 7 marches. Hein. Il fallait les faire en moins d'une heure avec le sac sur le dos et l'arme individuelle. C'était une partie d'entraînement. L'entraînement à balles réelles aussi, mais bien sûr, on ne vous tire pas dessus. Ce sont des balles traçantes qui passent largement 50-60 cm au-dessus de la tête. Les explosions de grenades, ainsi de suite, qu'on voit, les grenades offensives ne sont pas des grenades défensives. Ils font beaucoup de bruit, ainsi de suite. Nous sommes très aguerris quand on sort de ce stage. Nous avons passé 4 années entières en Écosse. Il ne fallait pas 4 années pour nous entraîner. Beaucoup moins, beaucoup moins. Mais ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait faire le débarquement. Et pour faire le débarquement, il fallait d'abord mettre la machine de guerre en marche. Tout le monde avait son occupation et tout le monde travaillait pour la guerre. Tous les jeunes. Il n'y avait pas de chômage à l'époque. Et vous, et nous, eh bien, on attendait les moments venus, l'heure, quoi, l'heure H. We were highly trained, and we knew that one day we would go somewhere where we didn't know. We thought maybe Calais, or maybe even further into Europe. And we knew we had to go, and it was no surprise to us. It was no surprise to us. And when it came, we thought, here we are. It's come. The time has come. Our first news, actually, that something was happening was on the 2nd, when we started to see the ground troops being gathered up and taken off in trucks. We knew, obviously, something was at hand. At the time, I was aware that the invasion was about to take place in order to cover myself from my parents and my girlfriend. I remember writing about 4 different letters predating them and giving them to someone to mail for me so that the family would not know that I had landed in France. Et le 5 juin 1944, quand on a commencé à nous dire qu'il était interdit à partir de maintenant d'écrire des lettres et que nous n'allions plus en recevoir, ah, là, on s'est dit, il y a quelque chose qui va arriver. La nourriture est devenue meilleure. Là aussi, c'était un bon signe que quelque chose allait arriver. Nous savions que nous allions débarquer un jour, 8 jours avant, déjà on rendait les armes pour les garder propres, dans un camp de Sheffield, dans le sud de l'Angleterre, près de Southampton, et là, nous avons appris que nous allions débarquer. On a eu les plans de débarquement. Qui ont été gardés par des soldats américains avec des vigiles qui avaient ordre de tirer sur le premier qui sortait de ce camp. Interdiction de donner le nom de code à nos camarades parce que nous on avait reconnu la France. Pas moi, les Havras qui étaient parmi nous avaient reconnu les berges de l'Orne, pensaient bien à la baie de Seine et on dit voilà, on débarque à Ouistreham. I was a paratrooper. But we were asked to volunteer for a very dangerous mission. To get into that very dangerous mission, we had to be unmarried. My commanding officer, some 10 years ago, admitted to me that it was a suicide operation and they didn't expect to see us again. And we had to go by glider, by horse a glider, which was made of wood and canvas. When we got to the Merville Battery, there was no one there. The 9th Battalion had not reached the Merville Battery, and only 150 men
out of 650 finally got to the battery. There were no flares or any radio links with us, and we were flying round the battery completely lost, but under extremely heavy anti-aircraft fire. They were firing shells that large to us, about an inch in diameter. And the pilot of the powered aircraft who was pulling us said, please cast off because I am being very badly hit by anti-aircraft fire. And we landed in two meters of water over the heads. We managed to get out of there just as the battle for the battery took place. As we came out of the water, the battalion had reached the battery and had started the fire. So we never did get to the battery. That is the way I went to Normandy. And by the time I got there, I had enough. No, I was waiting to go home. We were not frightened. None of us were frightened because we were immortal. We were young, immortal men. The way we chose was our choice. We wanted to be extra special. We wanted to go by air. The air attack was disastrous, but I think we preferred it to going ashore at places like Omaha, or, you know, what I'm talking about. People who went off to the beaches were terribly, terribly unlucky. On D-Day, here I was, along with other officers in my unit, sitting comfortably at breakfast, safe, warm, and all around the room were loudspeakers. And it was almost like a football game, as the British broadcasting system and the United States Army radio service were broadcasting all this hell that was taking place at only about 100 miles straight line distance from where we were. Was weird and strange. Bien, vous savez, on était tellement entraînés que pour nous c'était un jour d'entraînement. Excepté bien sûr les résultats sur la plage étaient différents, parce qu'on faisait comme entraînement, mais enfin nous étions très 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 motivés, hein, on rentrait chez nous. Hein. Les Anglais, on avait assez de la guerre, avec la même motivation, tout le monde est parti des sourires. Ouais. Et on n'aurait pas voulu laisser notre place à personne d'autre. J'ai connu l'endroit où j'allais débarquer sur le bateau de transport qui nous amenait sur la côte, et j'ai débarqué à Saint-Laurent-sur-Mer, Omaha Beach, le 8 juin 44, et j'étais sûr que la plupart d'entre nous ne verraient pas le point de chute, mais je le dis toujours, l'angoisse, la peur, elle se maîtrise quand elle est continue. À force d'avoir peur, on n'a plus peur, on a moins peur. But not until early on the morning of the 6th of June did loudspeakers come on and tell us that we had landed, and that as far as we were concerned, from here on it was a real show. I do remember on that day we were issued special clothing. It was a regular uniforms, but they were covered with some waxy material. There was a fear that the Germans were possibly going to use gas. And these were anti-gas uniforms. I can only remember that they were so waxy and so stiff that if you took them off, the pants would stand up by themselves with nobody in them. They didn't last very long. We very quickly got rid of them. Actually, we got on board an LCI on the 8th of June. The LCI was a large landing craft with two gangplanks in the front, which were forced out onto the beach as the ship rode up on the beach, and infantry could go down the gangplanks onto the beach.
However, when after a one-night trip over to France, and so having arrived there, it wasn't until the D plus four that I actually put a foot on the beach. We were off the beach one day with the shelling and everything going on. We weren't hit. But we did see ships being sunk, some on purpose. I'm sure some of the infantrymen have talked about the ships that were brought in as artificial, to make an artificial harbor. It was quite a sight to see. I know that we landed at exit 2 from Utah Beach. Our orders were to head to the high land and above it to an emergency landing strip that was supposed to be scraped out at the beach by the 834th Engineer Aviation Battalion. And at that time, our duty was supposedly to camouflage that installation to keep it out of view of the Luftwaffe. As replacements, of course, we were nothing to anybody. And on our way, suddenly, I think there were about 8 of us, were taken by a Graves Registration Unit. And our first duty there was to help not gather bodies up so much as preparing them for burial. It wasn't a very pleasant job. I can tell you that I probably vomited straight for 2 days. Also learned how to drink Calvados so I could go to sleep at night. Et alors la plage est jonchée de soldats américains, de soldats allemands. Il y a des poutres qui ressortent tous les quelques mètres de la terre pour pouvoir empêcher les jeeps ou les camions de passer. Mais avec une jeep, on arrive à passer. Et le corps médical a fait un boulot terrible pour ramasser les morts et les blessés et immédiatement les réembarquer pour l'Angleterre par bateau. 3-4 jours après, au-dessus de Saint-Laurent-sur-Mer, il y avait un grand terrain qui a été transformé en terrain d'aviation. Et là, les soldats blessés ou morts étaient transférés par avion, du coup, jusqu'en Angleterre. Finally, the outfit that I was assigned to, 2 weeks later, we found them. They had just arrived from England. We never were able to find out how come we replacements were out there weeks before the actual unit landed, but nobody was prepared to tell us. We boarded ships on the 4th of July and landed at Omaha Beach on the 6th. Well, our own landing was safe, although long range German artillery, I think, could still reach. And we still had to wade in from about 100 yards offshore with all of our heavy gear, climbing down the rope ladders into the landing craft, but still getting off in fairly deep water, and still climbing that blasted hill after getting off, but far different from what it was 30 days before that. I often thought, my God, this is terrible, being frightened all the time. But this is living. Nothing is like this in the experience of a man fighting. It's exciting and intriguing, despite the fear. Strange, perhaps, but I think other people doubtless felt the same way. À la sortie de Caen, nous avons pris la route de Caen-Falaise, qui nous indiquait notre direction. Les combats étaient très difficiles et par moments on n'avançait pas beaucoup, on avançait quand même. C'était pas le débâcle chez eux, il n'y avait pas de débâcle. Parce que même dans leur retraite, ils combattaient. Et c'était des guerriers. Mais les Polonais n'étaient pas des manchots non plus. Et les Polonais, ils combattaient pour un idéal. Les Polonais qui ont combattu à Chambois ont fait la jonction avec les Américains
alors que notre groupe se trouvait tout à fait isolé. Ça veut dire que nous étions sans aucun ravitaillement. Ni nourriture, ni munitions, ni enfin tout ce qu'il fallait pour combattre. Ni médicaments, ni rien. Les Allemands, malgré qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, jamais ils ne sont arrivés là-haut sur le promontoire. Jamais. Alors, le sous-officier lui dit, allez, tu te mets en position de tir à tel endroit, il nous a emmenés, et j'ai vu défiler devant moi une trentaine de véhicules, dont 20 chars Cromwell. C'était la 10e PSK, c'est-à-dire l'unité de reconnaissance de la première division blindée polonaise. Alors, les Allemands étaient des soldats aguerris. Avec ça, ils avaient des armes beaucoup plus puissantes que les nôtres. Mais c'est quand même nous qui avons grignoté du terrain chaque jour, à l'avance. Alors, voyez-vous, c'est comme au foot. Il ne s'agit pas de bien jouer. Il s'agit de marquer des buts. Et c'est ce qui nous est arrivé. Tous les jours, on gagnait du terrain. Donc c'était le 19 août, le projet de fermer. Je rentrais juste le matin à 19, hein, on s'est fermé. On a essayé de sortir, mais dans le poche même de 3 jours, c'était vraiment terrible. Hein. C'était terrible, on était déjà avant, on était sale comme tout, notre uniforme déchiré et tout ça, frère. Et puis pour manger, c'était presque rien. Hein. Il y avait des Polonais à gauche, je me rappelle. Hein. Bon, il ne fallait pas être prisonnier par les Polonais parce que c'était eux vraiment contre les Allemands. Hein. Voilà, parce qu'on avait bien gris. Voilà. Hein. On a eu des combats de main nue, mais à main nue, à la baïonnette, au couteau, au poignard, avec le casque, tout ce qu'on voudra pour combattre. Il fallait se battre. Il fallait se battre. Le plus fort des combats, c'était le vin. Toute la décision a été faite le vin. Et nos chars ont pris position sur le plateau de Coudéard. Il y a eu une terrible explosion. Et c'était le char à ma gauche. Aussitôt, une deuxième explosion. C'était à ma droite. Oh non, là, j'ai compris. Et là, j'ai eu peur. Parce que dit, à tous les coups, c'est mon tour. Comme j'étais au milieu. Il aurait pu suivre, prendre le premier et puis moi le deuxième. Non, il a pris le premier et puis il a pris le troisième. Oh, là, j'ai dit là, c'est fini. Hein. Je vis mes derniers instants de ma vie. Alors, j'enclenche automatiquement, sans ordre ni rien, la marche arrière. Je n'ai pensé à rien. J'attendais le coup fatal. Ah, c'était certain. Et le coup fatal ne venait pas. Alors, par mètre, en grignotant, je reculais, et puis à un moment, l'espoir prend la place de la peur. Alors j'ai reculé comme ça jusqu'à l'oreille du bois. Mais c'est arrêté là, je dis, bon, ben, le plus dur est passé. Qu'est-ce que je me suis dit? Mais c'est pas vrai, ce n'était pas fini. Les Allemands attaquaient. On essayait de sortir, surtout nous, nos troupes d'élite, là, de parents, on était toujours obligatoirement avec les SS. Hein. SS, c'était pareil, c'était dur aussi. Hein. Quelque part, les SS, même, ils sont dit, Routé n'est pas là, hein. Si vous reculez, vous savez pas de nous-mêmes. Hein. Ah bon. Les Allemands ne pouvaient pas sortir, nous étions là. Les Polonais les ont empêchés. Et c'est pour ça qu'il y a eu le combat à outrance. Il y avait un sous-officier qui avait planqué sa tête sous ma poitrine. Il était allongé à côté de moi. Il ne bougeait plus. Il avait un éclat d'obus dans le crâne, à côté de moi. Pourquoi pas moi? C'est lui qu'il a eu. Canadien écrasé comme... Par un char, un Allemand qui a été pendu à l'entrée du petit manoir. Je ne parle pas de la puanteur, de tout ce qui entoure la guerre.
malheureusement. Et malheureusement. Les attaques se suivaient. Et Vernet, il l'a faite, la brèche. La deuxième division d'Azreiz, celle qui a commis les crimes à Oradour-sur-Glane. C'est celle, cette division-là que nous avions en face à nous. Des sanguinaires. Des sanguinaires. Ils aimaient se battre jusqu'au bout. Ils étaient jeunes, imprégnés de la politique hitlérienne, dès leur plus jeune âge. Évidemment, ça a fait des bons soldats, mais le résultat est là. Ils ont perdu la guerre. Et tout à coup, j'ai entendu crier « Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, haut les mains !» Et on nous a fouillés, pendant qu'on avait des armes. On a regardé le soldbourg, c'est-à-dire le livret militaire. Et le livret militaire, il regardait ceux qui avaient combattu en Pologne. Il y avait malheureusement, je crois, deux ou trois qui avaient combattu en Pologne, et les Polonais les ont fusillés. Nous, après face les Canadiens, donc j'ai été prisonnier le 21 août à 18 mai par les Canadiens. Voilà. Mais dans le poche à Valais, ça aurait été, on marchait sur des cadavres, on marchait sur les cadavres. Hein. Quand vous voyez devant vous un tête roulé ou une jambe arrachée, des bras arrachés devant moi, c'était... C'était dur, vraiment terrible, terrible. Ouais. Affreux. Affreux, ça. Je ne vais jamais oublier ça. Ouais. 10 000. 10 000 soldats allemands qui sont tombés et au bas du promontoire de Coudert, Montormel. Une fois que les chefs s'en vont, la guerre est terminée, n'est-ce pas ?